Gunnar, on va s'intéresser aux 26 richesses de cette région. Allons-y. Les lieux sont jolis, je trouve. Par contre, je sais plus comment on fait pour siffler. Bon sang, qu'est-ce qu'il y a? Je trouve la carte assez lisible avec tous les trucs. C'est... Que ce soit la carte ou même notre espèce de boussole là, avec tous les points, c'est. C'est assez. Les reliques que cherche Sourtre. Je vais m'en emparer et les échanger pour sauver la vie de Hunter. Ou pour mettre fin à celle de Sourtre. Les nains supportent pas la chaleur de la fonderie. Ces jeunes icônes ne savent pas apprécier ce qui est bon. Faut merde, chaud. La fonderie n'est pas si mal. Chut. Pas de bruit les enfants. Parce que j'adore jouer les assassins silencieux. Je serai ton trépas. Petit coup de hache. Richesse collectée. Tiens, lingot de platine. Permettant justement les améliorations. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait des méchants qu'on avait sur eux. Guide-moi, Sinin. Plutôt ici. J'ai envie de zigouiller tout le monde. J'ai besoin de remettre les pieds dans la lave. Bon, après le combat qu'on vient de faire, hein, c'est une partie de plaisir. J'ai trouvé votre cochonnerie de reliques et c'est comme ça que vous me remerciez. C'est pas mon jeune ami, hein. Frithjof. Qui le demande? Retenez bien le nom de Frithjof. Il va vous faire trembler ce nom, Muspel. Je n'ai pas peur de Glaude. Qu'il vienne. Je vais lui montrer. Il semblait qu'il y avait une clé tout à l'heure. Je voulais pas la prendre parce que... Je vous tuerai tous. Je voulais pas partir dans la chasse au trésor. Et à moi. Retenez bien le nom de Frithjof. Il va vous faire trembler ce nom, Muspel. J'ai trouvé... Ce doit être la clé de la cellule de Frithjof.
platine. La richesse. La deuxième, on sait qu'il va y en avoir d'autres. Hein. Un truc blanc qu'on n'a jamais pris et de l'or, site de fouille. Alors je dois pouvoir utiliser une flèche explosive, mais. Un truc sur place qui pourrait nous aider. Cosmétique. Il y avait deux trucs au même endroit. Alors, lingot d'or et armure. Deuxième clé, donc ça veut dire qu'il y en a une première. On fait pour grimper jusqu'à là-haut. Alors je l'ai déjà chopé, mais on peut se transformer en bestiole. Son pouvoir. Ah, le feu. Alors déjà, j'ai l'impression qu'on peut pas changer de pouvoir sans le reprendre. C'est un peu con leur truc. Pour viser. Et voilà la clé maintenant. Les deux clés, hein. Armure chiant dessus. Alors, on arrive face à une montagne. Le corbeau s'offre complètement à nous pour qu'on puisse lui piquer son pouvoir. Bon, on l'a déjà surtout positionné, sélectionné. Une montagne sans pareil. Si Frithjof a dit vrai, le palais se trouve au sommet.
On m'attaquera à vue par ici. Attirer. C'est génial, hein. En place, faire un peu le ménage. Mal la lave. Brûlez avec moi. Pas trop quand ils font des espèces d'incantations là. Avec moi. C'est l'histoire d'érudit héroïque là. Harpillé dans tout, les sagas héroïques racontent les mésaventures épiques de nains appelés. Voilà. En voûtant par eux-mêmes, cet homme inspire également Heavy. Nouvelle prétention employée dans l'arène. Valkyrie, trouvez-les toutes afin de débloquer l'ensemble. Prétention, je pense que c'est une collection d'objets à choper et aux artefacts. Hein. Ok. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait nous affronter, je crois. Tu vas brûler! Il y a une clé. Ce qui veut dire, c'est que la clé a l'air d'être à l'intérieur. C'est affirmé. Viens, prends tirer un peu. Me souviens-tu de la taille du vieux Storverk? Avec cette charogne, tu vas souffrir. Il avait un petit lingot sur lui. Bon, j'avoue, j'aimerais bien avoir l'armure. J'aimerais pas avoir à revenir. Voilà. Par contre, ils sont tous revenus. Hein ?
Alors la clé elle est où? Je l'avais vue, elle est là. On devrait repartir quand on aura fini. Je passe en premier. Ok. Ah par contre il me faut du... Il me faut du sort. En fait il aurait fallu aller la... La choper... Je pensais qu'on chope du pouvoir aussi quand on... Quand on tue les gens. Avant tout autre chose. Ça ne sera pas long. Prends ce caillou dans le crâne. Retournez ce rejeton de crâne. Ah non. Est-ce que je peux grimper la montagne? Un peu vers le forcing pour aller chercher la... l'armure. J'ai compris là ce qui m'a arrêté. Collecter l'aigle d'Ivaldi. Voilà, c'est collecté. C'est une arme. Il y a des trucs sympas hein, qui sont tombés. Hein. Je sais plus où est-ce qu'on le trouve. Beaucoup d'armes dans le jeu. Hein. J'en fais pas spécialement la collection, mais. On en a vite une quantité industrielle. Hein. Bon, visiblement, il y a un truc là. J'ai l'impression qu'il va y avoir une énigme avec un faisceau lumineux. Ok. RS ennemi. Bon, ça va pas nous aider cette affaire, mais. Un truc avec ça, ou pas? Je pense qu'il faudrait qu'il tape un peu plus haut.
Ah d'accord, ok. L'aptitude. En fait, il fait digestif peu d'énigmes. C'est bien les aptitudes, on en a beaucoup. Dommage qu'on puisse pas toutes les utiliser. Hein. Richesse à choper, c'est fermé. Ça doit être bloqué depuis l'autre côté. On avait une maison similaire à. Le passage était en hauteur. Est-ce qu'ils nous ont collé l'entrée? Il y a peut-être une porte à péter. Ouais. On va se prendre le. C'est le truc. Ah putain, mais. Ah, on est dans une pièce similaire, ça avait pas posé de problème. C'est le pire truc qu'ils aient mis dans le jeu. Terra, là, franchement. Je comprends pas pourquoi ma flamme s'éteint en plus. Il faut boucher le trou après les avoir butés. Mais... Puis elle s'éteint à une vitesse. Alors, Mina dissoudra premier pillage. C'est une attaque. Allez, attaquons ces chiens. Sacrés pillards, aux armes. C'est original comme manière de piller les coffres. C'est vraiment débrouillé. Je peux nous tenir.
Pas de mon œil, hein. Voilà un beau petit trésor. Il est temps de parler à un forgeron et de voir ce qu'il peut faire pour moi. On a fini notre petit raid. Hein. Ensemble, nous sommes plus forts! Que je me fais tirer dessus. Je pense que je vais lancer un raid. Ça, je vais pouvoir choper le pouvoir. Je vais nettoyer tout le camp. Allez! Allez, nourrissons la flamme! Arrive. Pourvu que cela fonctionne. Si le leurre est assez élaboré, la mort d'Egnar sera nettement plus simple. Ah, compris, pourquoi il me parle de l'arrêt. Eh, hey, quelqu'un peut m'aider. Sacrifice brûlant.
Tiens, ouais, c'est original. J'ai besoin d'aide ici. Ne partira pas les mains. Hé hey, je n'y arriverai pas seul. Qui était tombé là. Ah, c'est vous. Soit il est mort, soit. Par contre, il y a un dernier trou là. Pas de porte ouvrir. Un coup de main par ici! Est-ce qu'il reste des trucs pour le raid? C'est terminé. Qu'est-ce qui lui est arrivé là? Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces gémissements? Allons, parle. C'est bon, mon bien-aimé. Je n'ai pas eu l'occasion de lui dire adieu. Il réparait le toit, mais il a glissé. Il est tombé. Bon. Il est... Je vois, oui. Peut-être n'est-il pas trop tard pour l'aider. Je ne peux plus rien pour lui. Mais ses nouvelles aptitudes... Peut-être un moyen de l'aider se révélera, et je pourrai repartir. Elle a parlé de coups de lâche. Ouais. Pouvoir de renaissance. Par contre, c'est pas de bol, je l'ai pas. Puis j'ai buté des gens qui se baladaient juste à côté. J'aurais dû attendre. Oh putain, c'est un peu moisi leur histoire de. Pour activer un truc, il faut... Ah bah... Le corps est toujours là, donc ça c'est bien. Ok. Alors une fois qu'on a bien progressé dans l'histoire et qu'on a récupéré un certain nombre de matériaux, on voit que l'on peut améliorer des choses. Il se trouve qu'il y avait une mission où il fallait ressusciter quelqu'un et j'avais essayé d'utiliser le pouvoir de renaissance et ça marchait pas. Mais en fait, en lisant ça, je me suis dit c'est peut-être ce qui manque. L'activation de ce pouvoir ramène automatiquement à la vie les cadavres situés dans un rayon de 10 mètres. La notion de cadavre... donc je vois que j'ai besoin de 5 silices et de 20... je sais pas trop quoi, ces trucs-là. Étincelles vivantes. Donc on va aller... Ah, tu es un... Forgeron. Je boirai volant. Tu as l'air d'avoir assez de matériaux pour améliorer ton brassard.
C'est ça. Voilà, donc à la fois ça va dans le sens d'une quête qui sera sur le long terme. Non, c'est pas celui-là, c'est ici, voilà. Chercher un refuge. Et en plus, ça va étendre les pouvoirs de notre ami. Alors, maintenant qu'on a cette amélioration, on peut retourner ici. Et on va voir si ça fonctionne. C'était un peu traître, je trouvais, quand même. Je suis en vie. Qu'on nous dit qu'on a le pouvoir, alors qu'il manque un truc. Oh, merci. Merci beaucoup. Quel bonheur d'avoir une deuxième chance. Bon, on chez toi, il y a un coffre. Je ne prendrai la vie comme un dû. Chérie, je... Et plus jamais, je ne remettrai les pieds sur ce toit si dangereux. Le réparer? Il y a plus important dans la vie que des tuiles. Mieux vaut explorer le monde. C'est un peu triste quand même, hein. Je suis désolé. Ça va aller. Mais je n'ai pas pu lui dire. Je peux recommencer peut-être. Oui, certes, je vais voir ce que je peux faire. Beaucoup qu'il y ait beaucoup de titane à récupérer. On dépêche toi, hein, j'ai pas beaucoup de temps. Hein. Je Tu es vivant, oui, on sait. Mais tais-toi, elle a quelque chose à te dire. Oh, fort bien. Mais qui es-tu, jolie fleur? Tu ne me reconnais pas, bon? Je suis Liv, ta bien-aimée. Mais je ne t'ai jamais vue de ma vie, aussi ravissante que tu sois. Tu as dû te cogner la tête en mourant. As-tu oublié notre amour et notre vie dans cette maison? Bon, écoute, Beau, où as-tu caché le trésor? Enfin, notre trésor. Ah d'accord, je comprends mieux. Quel trésor? Mais tu vas arrêter, oui. Ça fait passer pour sa bien-aimée, mais c'est des conneries, elle veut le trésor. Pourquoi persistes-tu à me ramener? Pour satisfaire ma curiosité. Toi, tu la connais? Je ne l'ai jamais vue, elle. Et toi? À quoi rime cette histoire? Où est la clé de ma maison? Tu m'as volé pendant que j'étais mort! Oui, d'accord. Quand je t'ai vu tomber, je me suis dit qu'enfin, je pourrais prendre les choses précieuses que tu as chez toi. File la et clé. Peut-être même la maison aussi. Mais avec tous ces muspels qui rôdent, tu peux te la garder, ta clé. Adieu! Oh, laissez-moi en paix maintenant, pitié! Pas si vite. Rends la clé. D'accord. Tu ne manques pas de ressources. Tu connais les grottes de cristal au-dessus d'Uldar? Il y a un refuge là-bas, d'autres nains. Tu y seras en sûreté. Dans ce cas, je vais y aller. Voilà ta fichue clé. Et merci, j'imagine. Profiter du jour présent, ouais. Ça s'arrêtera tout le temps. C'est dur, hein, le choper, c'est un gros. Alors là, on a des lingots.
dans une maison. Il y a une clé pas loin. Imbécile Daisy. Alors, vieille ville, pas d'Uldar. C'est qu'il y a un pouvoir aller chercher derrière cette porte. Faut déjà grimper jusqu'ici. Alors, on a déjà eu un puzzle de ce type, on sait qu'il faut aller le faire taper là. Que c'est de ce côté là que ça va se trouver. Il y a d'autres choses à bouboule. Non, nickel, on va. Passer au travers. Ah. J'ai mal visé encore, je me disais, mais comment ça se fait que ce soit légèrement plus gros. Putain, c'est... Tillon. Je vais essayer à un moment donné. Voilà. Je me suis laissé tromper. Voici notre récompense. Nouvelle aptitude. Flèche repoussante. Également notre richesse. Lecture. Ça fera un peu de sous. Alors toujours Eldar, cette fois-ci on est plutôt à l'extérieur. On a déjà récupéré des choses. On avait trouvé un mystère à côté. Donc, on va changer de pouvoir. Celui qui nous permet de marcher sur le feu. Voir ici qu'il y a des choses. J'étais un peu court en temps.
faut utiliser ces trucs-là pour faire des reflets, faire des ricochets. On a encore l'autre à ouvrir par contre. On a besoin de se recharger. Je sais plus, soit en tuant du monde, soit en trouvant une espèce de statue offrande où on donne de la... Ouais, il y en a une ici. On donne de la vie pour faire le plein. Alors juste à côté également en contrebas, il y a également des fleurs hein, pour se recharger. Qu'est-ce qu'il faut ? Même on en ouvre plusieurs. Ah, rageuse, nouvelle aptitude. De grange. Je pense pas qu'avec mon oiseau je puisse seulement à l'intérieur ça passe mal. Globalement, avant même de nettoyer toute une zone de ses richesses, on a de quoi upgrader son armure en or au niveau le plus élevé. Hein. Alors, je demande quoi faire mon bouclier. Alors, dernière richesse du coin. Pas de gueule à marre, mais. Cette grande ville, on avait plein de choses. Ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être là-dedans. On va utiliser notre sort pour marcher dans le feu. Je pense que ça peut me... Hein, parmi des caisses de l'autre côté pour un sable géant dessus. Pauvre âme.
C'est de chiant de faire pas tarder à tout avoir dans cette collection. Pillage. Dernier de la zone. Il y a deux richesses, certainement un artefact. On va appeler nos collègues. À l'assaut! Il me faut de l'aide. Deuxième semble pas très loin. Hey, par ici. Chaise nettoyée.